Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre. Et bien, on va ouvrir les numéros 14 des calendriers de l'Avent. Donc là, allez, ça approche 10 jours avant le réveillon. J'espère que vous êtes prêts ou vous commencez à être prêts. Voilà, vous avez fini de faire le petit lutin, etc. Moi, normalement, je suis quasi bien. Voilà, alors, hier, je crois que j'ai commencé par Chantal. Aujourd'hui, on va commencer par Virginie. Alors, c'est un gros paquet comme ceci. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. J'ai pas encore trop tâté. Hein. Je vais attendre d'être avec vous. Alors, on va prendre la petite carte. Hop, qui est juste là. C'est celle-ci et c'est les petits manchots ou pingouins. Je dirais des manchots. Pareil, c'est comme. En fait, il y a les manchots et les pingouins. Et c'est comme en fait les. Comme je vous disais la dernière fois. Entre le. Mince. Le hibou et la chouette, voilà. Et je sais qu'il y a un truc par rapport à leur petite. Il y a un truc en fait chez eux. Alors, je crois que c'est au niveau des pattes. Enfin, je sais plus. Enfin, je sais qu'il y a une différence, mais laquelle, je me rappelle plus. Alors là, nous avons manchot ou pingouin avec un arrière qui est très brillant comme ceci, qui est très joli, et nous avons un washi comme ceci, bleu brillant. Voilà. Très joli. Et derrière, nous avons le numéro 14. Alors, utile et brillant. Alors, hier, elle m'a dit, je t'ai pas mis des trucs pour trop spoiler, en fait, quand tu trouves, que tu trouves pas de suite, mais en fait, je trouve pas, là. Utile et brillant. Alors, utile et brillant. Bon, déjà, c'est quelque chose qui brille. Je range mes petites cartonnettes. Hop là. Et c'est utile et brillant. Alors, donc c'est mou. Alors dedans, on a deux boîtes. Une qui est un peu plus grosse et une plus petite. Je vois pas du tout. Franchement, je vois pas. On va ouvrir parce que là c'est dans des boîtes donc je sais pas du tout ce que ça peut être. Alors c'est utile et brillant. Des petites maisons, c'est celle qu'on avait pris déjà. J'ai pas utilisé encore. C'est des guirlandes lumineuses. Donc nous avons des guirlandes lumineuses comme ceci en petite maison que j'avais qu'on avait pris avec Elia qu'on a trouvé super jolie. Comme ça. Que je vous avais dit, je voulais faire un. Les mettre dans un petit village, mais vu qu'il y avait le fil, je savais pas comment faire. J'avais vu qu'après, en fait. Elles sont vraiment sympas, celles-ci. Merci beaucoup. Et celles-ci, elles sont canon. Ça peut servir pour toute l'année. Celles-ci en rose, là, en petite boule. Elles sont vraiment super jolies. J'aime beaucoup. Les deux, j'aime beaucoup de toute façon, parce que celles-là, je les avais prises. Donc, c'est que j'aimais beaucoup déjà. Voilà. Et celles-là, là, elles sont vraiment très, très belles. Et ça, on peut les mettre voilà, dans un petit pot, dans un. Voilà. J'en avais une grosse guirlande, je crois que Elia m'a piqué là dans sa chambre, que j'avais mis dans un pot en verre avec des plumes et tout. Pour la déco, c'était vraiment très sympa. Et celles-ci, elles sont vraiment très jolies aussi, vous voyez. En petite boule comme ça. Bon, je les ouvre pas parce que voilà, puis là j'ai pas de pile sur moi pour vous montrer comment ça peut donner, mais elles sont vraiment très très sympas. Merci beaucoup Virginie, c'est trop bien. Merci, son canon, j'aime beaucoup. Merci, merci, top.
Brillant, ouais, brillant parce que bah, c'est assez clair, quoi. Ah ben, j'aurais pas trouvé. Là, franchement, j'étais à mille lieues de trouver que c'était des guirlandes lumineuses. Là, pour le coup, j'y étais pas du tout, du tout, du tout. Mais bon, elles sont très sympas. Et les petites boules roses, là, j'aime trop ce format de petites boules et tout. Merci. Maintenant, on va passer à Chantal. Alors, le 14, du vintage. Ah, du vintage. Alors, du papier déjà. Moi, je dirais du papier en vintage. Je dirais ça. Alors, hop. Ouvrons les papiers. Je pense que c'est du papier. Je pense. Ah oui. Ah, je l'avais vu sous la famille héritage. Il me semble que je l'avais vu passer. Ouf, d'accord. Il était malade. Alors, on a deux blocs en 20-20 de Fabrica décorus. Comme ceci. Et nous en avons deux autres de chez Stamperia. T'es malade. Qui ont l'air juste trop beaux. Alors, bien, on va ouvrir, on va regarder ça ensemble. Alors, ils sont par où? Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois, j'arrive jamais à les remettre dedans. Alors, du coup, on va commencer par Family Héritage. Il me semble que je l'ai vu. Que j'avais regardé ça, celui-là. Ça me parle de Fabrica décorus. Alors, nous avons déjà la première page où nous avons plein de petites choses à découper. Il y en a à gaver, hein. Petites chaises, des petits livres, des valises. Enfin, voilà, nous avons plein de petites choses comme ceci. Ensuite, nous avons une page comme ceci à pois, très belle. Et derrière, nous avons celle-ci. Ça fait comme une entrée voûtée un petit peu, vous voyez, comme ça. Très sympa. Ensuite, nous avons celle-ci avec des petites arabesques en fond. Et là, celle-ci, qui est très belle aussi. Hein. Tour Eiffel, avec tous les monuments. Celle-ci, c'est la même. Celle-ci, c'est la même. Nous avons celle-ci avec des petits pois aussi. Et derrière, nous avons un lustre avec deux chaises et une table. Très beau. Franchement, c'est juste magnifique, Chantal, à chaque fois. Là, nous avons une feuille avec des rayures. Je ne sais pas quoi dire à chaque fois. Là, je vais commencer à... Là, nous avons des petits lustres avec des petites valises comme ceci. Là, nous avons des genres de petites fleurs arabesques comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai une luminosité aujourd'hui. Il pleut, c'est pas top, hein. Là, nous avons celle-ci. Bon, celle-ci, elle est connue, cette page-là, avec plein de petits courriers, etc. Mais c'est toujours sympa, celle-ci. Et ensuite, c'est les mêmes. Voilà, franchement, il est super joli. Il me semble que je l'avais vu passer, je ne sais plus où. Il est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Chantal. C'est trop, fallait pas m'en mettre deux. Magnifique. Vraiment. C'est. Ouais. Alors, est-ce que ça va rentrer? Ouais. Mais alors, l'autre, à mon avis, là, le Stamperia, comment vous dire que celui-là. Alors là, c'est around the world. Around the world. Mon anglais 1, d'accord. Désolé, celui-là, il a l'air de. Bon, après, c'est Stamperia. Hein. J'ai envie de vous dire. Oula, celui-là. Il s'ouvre pas. Normalement, celui-là, de toute façon, il a les pages attachées. Donc, je ne suis pas obligée de le remettre dedans.
Alors, donc, il est comme ceci. Première page. Ah non, je croyais qu'on allait avoir des découpes. Donc là, on a une page lignée comme ceci. Là, on a une page. Voilà. Magnifique. Là, on a genre comme une petite carte là sur le côté avec des écritures. Là, on a ça à découper. C'est juste trop beau. Est-ce qu'on a le derrière? Non, derrière, c'est comme ça. Ils sont magnifiques. Là, nous avons une page comme ceci. Pareil, comme une petite carte encore. Je sais pas si vous voyez bien. Derrière, ben, vous voyez, je vous dis, celle-ci, elle est. Voilà, c'est la même qu'il y a dedans, là. Là, nous avons des petites cartes comme ceci, qui sont juste trop belles. Et là, on a le derrière, par contre, vous voyez. Là, la tour Eiffel avec le plan et tout de Paris. Juste trop belle aussi. Derrière, c'est bleu comme ça. Là, nous avons. Genre comme une carte marine avec une baleine, un voilier. Et derrière, nous avons genre comme la plage, en fait, la mer. Là, on a encore plein de petites cartes comme ceci. Derrière, c'est comme ça. Là, nous avons des genre cartes postales. Derrière, nous avons une page avec des écritures comme ceci. Là, nous avons comme une vieille carte en fait du monde. Et derrière, c'est la même chose, mais en bleu, avec des écritures dessus. Là, nous avons ceci. Franchement, il est magnifique le papier. Oh là là. Là, c'est la même carte qu'au début. Ça aussi. Et voilà. Et bien, franchement. Ben voilà, il n'y a pas de mots en fait. Hein, voilà, il est juste magnifique le papier, quoi. Et voilà, les papiers sont juste trop beaux, quoi. Voilà. C'est. Voilà. Merci beaucoup, Chantal. C'est un truc de fou encore aujourd'hui. C'est. Wow. Trop beau. Trop joli. Franchement, je. Merci, merci, merci énormément. Voilà. C'est juste magnifique. Celui-là, j'ai pas besoin de le remettre puisqu'il est attaché. Je vais le laisser comme ceci. Là, je vais avoir des papiers de fou à scraper. C'est un truc de fou. Je suis super contente. Voilà. J'ai pas. Ah, je ne vais pas vous cacher. Hein. Je suis super ravie. Merci beaucoup. Alors, il nous manque le petit à ouvrir par contre. Hop. Alors, celui-ci de Marianne Design. Alors, le 14. Il est là. C'est la petite étoile. Enfin, la petite. C'est l'étoile ici. Et là, nous avons un petit dies avec ça fait comme des boutons en fait de fleurs, moi je dirais. Voilà, comme ceci. Tout petit, tout mimi encore. Voilà. C'est excellent, franchement, c'est trop mortel. Trop marrant. Merci beaucoup. Ben les filles, je vous remercie énormément. Encore gâtée hein, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je vous le dis tous les jours, mais voilà, hein, et je vais pas dire autre chose parce que voilà, je suis super gâtée. Encore des très beaux papiers et des super guirlandes lumineuses. Franchement, coup de cœur pour celles-là. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. J'adore. Elles sont, j'aime. Voilà, j'adore. Elles sont en rose comme ça. De toute façon, t'as tapé dans le mille, hein. Tu le sais, hein, ma petite blondasse, que le rose. Voilà. Tu m'as pas mis de verte. Et celles-ci, ben, je les aime beaucoup aussi parce que je vous dis, je les ai achetées, donc c'est que je les aimais. Donc elles sont très très jolies aussi. J'aime beaucoup. Merci beaucoup les filles pour ce numéro 14. Demain, 15. Allez, demain c'est vraiment. Voilà, là je vois mes cartons qui se vident. Et voilà, demain c'est le 15. Et on sera à 10 jours de Noël. Donc là on a 10 jours du réveillon. Demain on a 10 jours de Noël. Voilà, c'est. Ça passe vite, ça passe vite. Bah écoutez, j'espère que vous, ça va, que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain. Du coup, pour la suite du calendrier de l'Avent, je vous fais des gros bisous. En attendant, scrapez bien, profitez, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Allez, bisous la team!